peux rester jusqu'à une demi-heure à regarder le monde passer, puis à me dire, là, cette zone-là, j'ai pas eu suffisamment de gens. Comme là, il y a quelqu'un qui s'en vient avec une planche, mais il est un peu loin. Je vais peut-être la prendre quand même. Ça, c'est bien, parce que lui, c'est un personnage que j'ai pas vu, quelqu'un avec une planche. T'sais. C'est pas juste un passant ordinaire. Le panorama, au départ, invite au déplacement. Donc, dans le panorama, le spectateur doit se déplacer pour voir partie par partie. Ben, dans le grand quadriptique au G4 Strat, il se passe deux choses. Hein. Il se passe, quand on s'éloigne, qu'on essaie de voir l'ensemble, ça devient une abstraction en réalité. Parce qu'il y a plein de petits éléments colorés, de petites formes colorées. Donc l'œuvre a un sens esthétique abstrait de loin et concret quand on s'approche. Tout est construit. Tout est construit. Même chose en haut, ces gens-là n'étaient pas là en même temps. La personne-là n'était pas là non plus. C'était à trois moments différents. Ça, c'est Derval en haut. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est Ottawa en haut. Ah. Derval, les deux du milieu, puis c'est Ottawa aussi en bas. Évidemment, derrière ces images-là, il y a un thème récurrent qui est le thème de la vie dans l'espace public. Et c'est un thème qui m'a toujours intéressé depuis des années et des années. C'est parce que l'espace public, la rue, c'est un genre de désordre organisé. C'est-à-dire qu'on a des structures, on a des trottoirs, on a des allées, il y a beaucoup d'organisations, mais en même temps, il y a une confusion à travers tout ça. Il y a énormément de variété aussi, évidemment, dans ce qui se passe. Comment je pourrais présenter un panorama sans qu'il y ait d'endroit ou d'envers? Fait que là, tout de suite, je me suis dit, bon, ben ça existe, ça s'appelle un ruban de Möbius. Fait que je peux vraiment inscrire le panorama 360 sur une seule surface. Ce qui est étrange, c'est que le ruban de Möbius, c'est une structure qui est super simple. Mais en même temps, c'est tellement bizarre, là. Moi, j'ai travaillé en recherche-développement j'ai fait des études supérieures. J'ai un doctorat en intelligence artificielle, donc je suis habitué à travailler dans l'expérimentation et aussi dans la précision. Ah, c'est vraiment pas mal. OK, en regardant, là, je vois qu'il y a des petits problèmes de joints. Chacun des 36 photos, c'est un calque séparé. Puis là, je peux jouer avec les masses de fusion pour effacer cette jambe-là, par exemple. Quand je fais un grand panorama, ça prend 48 photos, d'autres, ça prend 36 photos. S'il y en a une qui est mauvaise, c'est l'ensemble du panorama qui est foutu. Donc, c'est très important de travailler avec précision. J'ai un aide-mémoire qui comprend tous les réglages de mon appareil et de mes instruments que j'ai développés avec le temps, évidemment. Et je dois à chaque fois passer à travers et m'assurer que tout est bien en place. Une fois que je me suis assuré d'avoir dans le moment 36 photos stables, nettes, c'est là que je vais chercher des personnages. Puis là, ben, comme là, il y avait quelqu'un en bicyclette, quelqu'un qui avait une poussette, des gens de différentes couleurs, un vêtement jaune tantôt, il y avait des gens en rouge, un monsieur avec une chemise blanche, quelqu'un avec un manteau bleu qui tenait un cellulaire. Là, je vois deux dames avec de la couleur aussi. Comme tantôt, le monsieur, j'ai attendu qu'il soit entre les deux poteaux pour le photographier. C'est pas toujours possible des fois parce qu'il faut travailler vite, mais j'essaie de placer les gens dans le décor, c'est-à-dire les prendre au moment où ils sont au bon endroit dans le décor.
Moi, je travaille avec un logiciel professionnel qui me permet justement de fonctionner avec des scènes dans lesquelles il y a du mouvement, des scènes de rue. Un panorama d'un paysage serait beaucoup plus facile à faire parce que c'est statique. Le mouvement des passants ajoute un niveau de complexité important. Et pour ça, je dois travailler avec les logiciels, les meilleurs au monde finalement, qui me permettent de gérer cette difficulté-là.